j'ai un signe particulier, c'est que j'ai 6 prénoms. Alors, je vais te le dire tous. Je m'appelle Myriam, Marguerite, Madeleine, Hélène, Françoise, Félicité. Je suis une fille, je suis vieille, je suis née en 1958, en même temps que la Constitution, et que le général de Gaulle est devenu le chef du monde. Et puis, je suis née au Maroc, ça a été très important ça dans ma vie, parce que j'y suis née, c'est tout, mais mes parents sont tout de suite partis, mais je n'ai eu de cesse que de revenir au Maroc pour rencontrer ce pays, pour le comprendre mieux. Mes origines, ma maman est de Toulouse et mon papa est parisien. Voilà, donc moi je suis un peu entre les deux. Je suis née un petit peu par hasard au Maroc, mais je ne suis pas vraiment marocaine. Donc Narbonne, pour moi, c'est une ville qui me rapprochait de mes grands-parents, qui étaient toulousains et qui plantaient des légumes. Voilà, c'était une ville qui me rapprochait de mes origines maternelles. Ah ben écoute, moi je suis arrivée à Narbonne en 1974. Ça remonte, hein. Et voilà, et ben je suis arrivée, j'avais donc 15 ans à peu près. Et j'ai tout de suite aimé la ville. J'arrivais du nord de la France. Alors, il y a longtemps que je rêvais de me rapprocher de la mer. Et Narbonne, pour moi, c'était déjà la mer. Voilà. Mais si on est ici, c'est parce que quand je suis arrivée à Narbonne, mon père a pris un snack sur les barques. Il s'est installé ici. Il cherchait du boulot et il y avait un snack à vendre. C'était, y en a plus. Il n'y en a plus des snacks comme ça. C'était des petites baraquettes en bois où on vendait des Coca-Cola, des Orangina, des cafés, des chocolats. Pas tout, mais pas mal de choses quand même. Un peu de bière. On ne vendait pas trop d'alcool parce qu'ils n'avaient pas la licence. Puis on faisait des steak frites, des hot dogs. Et on vendait des glaces de boules aussi. Et j'ai travaillé ici. J'ai travaillé ici pour mon papa, voilà. Donc c'est un peu le berceau de ma vie narbonnaise ici, les barques. Je suis marionnettiste, je fabrique des spectacles, je fabrique des marionnettes. Donc je suis un peu bricoleuse. Je pense que c'est pour ça que je fais ce métier, parce que j'adore bricoler. J'aime bien les enfants, mais d'abord j'adore bricoler. J'adore certains enfants, pas tous. Et puis donc, puis j'aime bien être dans la lumière et puis qu'on m'applaudisse. Alors je fais aussi les spectacles, je joue, voilà. Mais avant, je faisais de la cuisine, avant de faire ce métier-là. Et quand je vous parlais des barques, alors là, c'était vraiment mon métier. J'étais dans la restauration. Vous savez ce que c'est la restauration? Voilà, je faisais des crêpes. J'ai eu un petit restaurant moi-même, moi aussi, dans la rue droite, qui s'appelait le Crocambule. Ça ne vous fait pas poser de questions pour que vous ne voulez pas me dire « Pourquoi tu l'appelais Crocambule ?» On l'appelait le Crocambule parce que c'était un resto qui avait la particularité de vendre des crêpes et aussi des bandes dessinées. Voilà. Donc on pouvait manger des crêpes en lisant des BD. On croquait les bulles. Voilà.